Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mox. Aujourd'hui, on dessine des cartoons en humains. Idée originale, tiens, c'est pas comme si je m'avais fait 15 000 avant. J'ai sur cette page 3 petits calques cachés avec des personnages dont j'ai oublié l'existence. Je ne sais plus qui c'est, mais on va les dessiner un à un. On va se lancer avec le premier. Jumba! Est-ce que ce sera les personnages Disney en cartoon édition numéro 2? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je crois qu'il n'y a pas que des persos de Disney là-dedans. Alors, Jumba en humain. Bon, déjà, ce serait un homme assez mastoc. Un homme assez volumineux, dirons-nous. Respectablement, bien sûr. Du coup, tout homme volumineux qui se respecte a un double menton. Et ce n'est pas une mauvaise chose, bien entendu. Alors, il a une bouche très très grande qui parcourt l'ensemble de son visage, mais il a un sourire qui descend un peu. Donc là, ça monte, là, ça descend sans trop remonter. Voilà. On dirait qu'il a un peu le sourire au mec dans Stranger Things, Gaten Matarazzo, de son vrai nom. Du coup, il a les mêmes dents. On va peut-être dire que c'est un peu le genre de craquette que tu trouves dans la rue et qui t'accoste, qui te parle de trucs, ou alors qui t'agresse sans raison. Alors, il a un nez comme ceci. Bon, c'est une boule, mais là, on va quand même lui faire un nez humain, parce qu'on dessine des humains de base, là. Là, le problème, c'est qu'il a 4 yeux. Comment représenter quelqu'un qui a 4 yeux? À moins de lui faire des lunettes. Et avant que vous me disiez que c'est méchant d'appeler quelqu'un qui a des lunettes 4 yeux, j'ai porté des lunettes toute mon enfance, donc j'ai bien le droit. Alors il a les yeux bien ronds. Hein. Je m'attendais à un truc un peu plus effrayant que ça, mais en vrai ça va, il a l'air plutôt sympa. Un peu nerdy, un peu... C'est un peu ton collègue un peu bizarre, mais qui est pas trop méchant, qui est sympa quoi. Il veut t'inviter chez lui à faire des jeux de rôle, mais au final tu te demandes s'il est vraiment sain d'esprit. Les oreilles, elles sont comment? J'avais raison, mes souvenirs étaient bons. Donc on n'a qu'à dire qu'il y a des lobes tombants et des oreilles un peu collées. D'ailleurs vraiment déçu que ma première édition des personnages Disney en humain ait autant foiré. Je pensais en faisant une miniature un peu plus élaborée que mes cartoons en humain, ça allait... plus percé, mais non. Je dis ouais, Disney, c'est là où il faut taper pour vraiment faire des vues, t'as vu. Même si je suis pas là pour ça, mais c'est pas grave. Oh, il ressemble trop au mec qui veut voler les chipmunks. Il ressemble vraiment au gars des chipmunks, le méchant. Incroyable, bah... Vraiment, le mix entre le mec de Stranger Things, là, c'est quoi son nom? Dustin. Donc le mélange entre Dustin et le mec des chipmunks, là, franchement, je m'y attendais pas. Du coup, je l'imagine comme, tu vois, un collègue de bureau. Mais du coup, il est un peu renfermé et tout, mais quand il s'ouvre un peu à toi, il t'invite à sa journée apéro, enfin pas apéro, mais genre barbecue chez lui. Et du coup, il est content, et là, il ramène des bières, t'as vu? Tu sais, les bières américaines là, qui sont soutenues par des trucs en plastique qui devraient pas aller dans l'océan pour le bien-être des pauvres tortues qui t'en ont demandé. Donc voilà. Notre cher ami qui est là avec sa chemise un peu trop courte pour lui. Ouais, ben, je pense que notre Jumba est terminé. Allez, 3, 2, 1. Jumba humain, waouh, il t'invite chez lui pour faire un barbecue. C'est pas fou quand même ça. On passe au prochain, let's go. Le prochain sera Jake. Let's go, j'adore Jake, j'adore Adventure Time. C'est vraiment, je pense, honnêtement, mon dessin animé préféré du monde entier. Genre c'est vraiment trop drôle, trop cool, très badant des fois. Et juste c'est fou quoi, c'est vraiment trop bien. Alors Jake, il a une tête ronde. Est-ce que je vais vraiment le faire? Je vais vraiment le faire. Ouais, allez, on va le faire en entier comme ça, ce sera son corps d'humain. Donc ça, c'est un corps d'humain, ouais. Étonnant, mais bon. Alors, il a des gros yeux, du coup. Gros yeux blancs. On n'a qu'à dire que c'est des lunettes aussi, comme ça sera plus simple. Cul de bouteille, là, qui s'était beaucoup trop présente dans les années 80. Alors, bon, il a un petit nez rond. On va lui faire un petit nez tout rond. Chop, chop. Voilà. Et du coup, ça, ce serait ses moustaches. C'est vraiment quelqu'un sorti des années 80, quoi. Des petites oreilles, comme ça, on va dire. Le pauvre, il a pas de cou, quand même. Tout comme bonne personne des années 80 qui se respecte, on va lui faire une chemise à carreaux. Est-ce qu'on lui fait des cheveux? Il aurait cette coupe. Il est bien plus fun en étant un chien qu'un humain. On va pas se mentir. On dirait qu'il est un peu sérieux, comme ça. Bon, ça fait pas très réaliste, mais c'est pas grave. On est là pour le fun avant tout, non? Non. Bah, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Qu'est-ce que vous êtes venu faire si vous êtes pas là pour vous amuser, en fait? Ici, on est là pour rigoler. Donc, vous voulez rigoler? On va révéler Jake en humain. 3, 2, 1. Waouh, Jake. Mec, je préfère film humain que Jake l'humain. Hein. Bref, et si on passait au troisième? Let's go. Le troisième sera Garfield. Oh là là, Garfield. J'espère que son film va être bien. Mais plus ça avance, plus j'en doute. Alors, il a pas vraiment une tête ronde. Il a plus une tête type pastèque. Ouais, les oreilles sur sa tête, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une sorte de houppette, ou alors, on oublie peut-être, on verra, on fait d'abord les yeux. Donc d'énormes yeux qui font genre 90% de sa tête, mais qui sont quand même 90% fermés. Le nez très proche des yeux, et j'ai encore un petit nez rond. Je peux lui faire un sourire comme ça, ou alors je peux lui faire vraiment son expression de « j'aime pas les lundis, t'as vu ». Mais pourquoi t'aimes pas les lundis alors que t'es un chat, tu travailles pas? Mais bref. Alors, on voit qu'il est un peu grassouillé, hein. Bon, c'est grave.
Garfield, quoi. On aura fait que des thick boys aujourd'hui, hein. On n'aura pas fait des gens plus maigres que ça. Voilà. Je partageais en lui donnant un sourire énorme ou en lui donnant une expression blasée. Mais je pense que ce sera plus drôle avec un sourire immense. Genre... je te regarde. Laisse-moi te regarder dans les yeux. Oui. Du coup, il y a le problème des cheveux, là. On va lui faire une petite houppette à la Tintin. On va faire quelque chose qui ressemble plus à ses oreilles. Il y a une sorte de, un peu de teinture sur le dessus pour que ça fasse un peu noir. Il aurait des taches de rousseur. On va lui faire des oreilles normales, hein. On dirait un peu Bart Simpson s'il s'était fait presser avec une presse hydraulique, là. Donc voilà, il est gras, hein. À cause des lasagnes, il a d'énormes mains, hein. Pas sûr que je le montrerai dans la version finie. En parlant de version finie, tiens, et si on révélait le Garfield terminé? Allons-y, 3, 2, 1... Waouh, 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 Garfield, oh my god. Regardez ces trois magnifiques personnages de cartoon en humains, transformés par mes soins. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez plus? J'ai bien l'impression que vous en voulez plus, étant donné que ça marche si bien sur cette chaîne. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça pour vous. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a trois boutons à cliquer. Je vais pas vous dire lesquels, mais faites-le, ça m'aidera. Ça me ferait plaisir également. Mais bref, on se retrouve la prochaine fois pour des nouveaux défis dessins totalement cinglés. Allez, bisous.